jeudi matin, on est parti tranquillement de la pourvoirie Coin-Lavigne pour se rendre à notre dernière destination, Kenok Nature. Sur notre route, on a fait un petit arrêt à l'épicerie, c'est acheter tout ce qui nous manquait pour finir le voyage. On a pacté ça dans le trailer, on a mis les straps puis on a repris la route. Arrivé au Kenok Nature en milieu d'après-midi, tout de suite à l'accueil, ils nous ont fait part de notre programme pour les 3 jours qui venaient. Vraiment un programme de feu. En plus de tout ça, ils nous avaient réservé le parcours de tir au pigeon d'argile pour le dimanche matin, juste avant notre départ. On avait donc 3 jours remplis d'actions qui s'en venaient. On était vraiment contents. Arrivant, bang, une belle surprise. Dans le frigidaire, on avait une grosse assiette de fromage, 4 bières produites par la pourvoirie. En plus de tout ça, 4 coffres à mouche, 2 pots de miel. C'était vraiment une belle surprise. Le lendemain matin, on est parti sur le lac Papineau. On a fait peut-être 20 minutes de chaloupe. Ensuite, un petit portage pour se rendre à un autre lac où est-ce qu'il y avait 2 chaloupes qui nous attendaient. En après-midi, en revenant sur le lac Papineau, on a décidé d'essayer de pêcher la truite grise. Ça a pris peut-être 30 minutes, j'avais une belle petite grise au bout de ma ligne. J'étais vraiment content.
lendemain matin, on a pacté le stock dans le camion, on a fait un petit 10 km de gravel pour se rendre au lac Poisson Blanc. Venu au quai en fin de soirée, on a pris ce relax, on a commencé à pacter tranquillement notre stock parce que le lendemain, c'était la dernière journée de notre périple. Sauf qu'on finissait ça en beauté au parcours de tir au pigeon d'argile. Donc le lendemain matin, on s'est rendu sur le site, on a rencontré notre instructeur. Qu'on pouvait pas demander mieux pour conclure notre séjour au Canuck Nature et notre grande virée en pourvoirie. On est reparti un peu nostalgique. C'est ce qui conclut ce troisième épisode de la grande virée en pourvoirie 2016. On aimerait prendre le temps de remercier la Fédération des pourvoyeurs du Québec
pour nous avoir permis de vivre ce trip d'une vie. Mais merci également à tous les commanditeurs pour avoir rendu ce concours possible. La Grande Vira a vraiment été un voyage de rêve. Et parlant de rêve, pour tous ceux qui rêveraient de vivre l'expérience unique de la Grande Virée, on vous annonce en primeur que la Grande Virée 2 prendra son envol cet automne. Donc, restez à l'affût de la page Facebook de la Fédération des pourvoyeurs du Québec et nous, on vous souhaite bonne chance à tous!